une fois qu'on a tout choisi, le jour où on ouvre la porte et qu'on voit ce qu'ils en ont fait, il se passe quelque chose. Enfin, moi, j'avais vraiment envie d'y habiter. C'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, dans cet appartement, j'aurais pu y habiter. Donc, je m'appelle Jennifer Jaubert, j'ai 36 ans. Je vis à Paris depuis longtemps maintenant. Je suis médecin anesthésiste. J'étais médecin anesthésiste dans le public et maintenant, je suis libérale depuis environ 3 ans. Donc moi j'ai voulu investir dans l'immobilier parce que ça me semblait quelque chose d'assez rassurant. J'ai un métier assez prenant au quotidien et du coup je voulais quelque chose qui ne me prenne pas trop de temps et qui puisse être sécure. Du coup je me suis tournée assez rapidement vers l'immobilier et effectivement ça s'est avéré être tout à fait ça. J'ai pu garder ma vie de médecin, faire tout ce que j'avais à faire au quotidien et être déchargée mentalement de tous ces papiers, de tout ça. Et c'est très très bien au quotidien de savoir qu'on peut avoir un investissement, avoir des choses sur le futur, sur le long terme, une transmission pour mes enfants, pour ma retraite, si toutefois on en a une, et je l'espère, et avoir des revenus confortables grâce à ça. Donc du coup, moi j'ai des journées donc, qui sont très prenantes puisque je commence le matin à 7h30 et du coup, on termine quand les patients, quand il n'y en a plus. Du coup, ça fait des journées très longues à rajouter à ça. Donc les astreintes, les gardes, ça fait des journées prenantes, mais elles sont prenantes parce que c'est un métier qu'on aime et c'est un métier qu'on fait vraiment pour les autres, pour aider. Et sinon, on ne le ferait pas. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'horaire et que ça devient acceptable. Et du coup, les autres horaires qu'on a, elles sont très limitées pour le temps annexe. Donc il ne faut pas que ça nous prenne beaucoup de temps, tout en sachant qu'aussi on peut être appelé parce qu'un patient ne va pas bien et tout ça. Et donc il faut qu'on soit joignable et disponible tout le temps aussi pour notre métier. Donc voilà. Moi, ce qui m'a plu dans l'immobilier, c'est que justement, j'avais pas de temps à consacrer à ça et que ça roulait tout seul. Et en fait, c'était vraiment une décharge d'esprit. Ça a été très vite et les choses se sont enchaînées rapidement, facilement, sans que j'aie besoin à y penser à un quelconque moment. Et ça continue de le faire et je vais continuer comme ça très largement parce que c'est facile et ça prend pas de temps, mentalement surtout. Pour trouver investissement locatif, donc c'était par réseau, puisque du coup j'en ai entendu parler. Ça m'a vraiment intéressée, c'était mon projet. Et après, j'ai vu que du coup, toute la partie gestion d'investissement était parfaitement bien menée, qu'on pouvait aboutir à un projet qui me ressemblait, c'est-à-dire un projet facile, concret et sans beaucoup d'investissement personnel de ma part, en tout cas en temps. Et idem pour la location. Moi, clairement, sur mes amplitudes horaires de journée, je ne me voyais pas avoir le temps de répondre à des gens pour trouver la location ou autre, ou répondre à leurs problèmes au quotidien. Et cette décharge d'esprit, c'est hyper important. Et du coup, ils m'ont apporté cette qualité de service et je n'en entends pas parler, quoi. Du coup, j'ai ce côté serein et je peux m'occuper pleinement de mes patients, m'occuper pleinement de ma journée et aussi de mes loisirs sans avoir à penser à mes locataires ou à autre chose. Et en ça, ça donne envie de continuer largement. Quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de freins. J'avais très envie de faire ça, mais j'avais beaucoup de freins. Le frein de trouver avec qui faire ce projet. Donc déjà, trouver une boîte et un réseau compétent dans ce domaine. Mais ça, finalement, ça s'est trouvé assez vite. Et le frein financier, parce que même si en tant que médecin, on gagne plutôt bien notre vie, j'avais peur. J'avais peur d'aller voir les banques, que ça me prenne du temps, que ce soit compliqué, qu'il faille justifier plus que de raison. Et voilà, et ça c'était des vrais freins qui m'ont décalé un peu mon projet dans le temps et au final on voit que tout ça s'est passé très vite, très bien et sans aucun problème. Et donc voilà, j'avais tous ces freins mais j'en ai plus. Alors du coup au début moi je pensais comme tout le monde qu'il ne fallait pas trop s'endetter, pas trop investir, que le crédit c'était risqué. Et puis, j'ai compris qu'il fallait peut-être raisonner différemment aussi. Peut-être que grâce à mon métier, qui est certes un métier passion, mais qui me permet d'avoir des revenus assez confortables, et du coup, en fait, je pense qu'il faut continuer d'investir et que ce n'est plus un frein et qu'il faut continuer d'aller voir les banques et de continuer d'essayer d'investir pour justement
se créer son patrimoine, se créer son cette retraite et transmettre aussi à ses enfants et continuer comme ça. On a la chance dans notre métier en tout cas de bien gagner notre vie et donc de bien utiliser cet argent. Donc le jour où j'ai enfin décidé de mener à bien ce projet avec investissement locatif, un jour j'ai reçu un coup de téléphone et puis un chasseur avait des biens à me proposer. Et on est allé voir l'appartement et c'était très particulier comme expérience. C'était un appartement où il fallait vraiment avoir de l'esprit pour se projeter. C'était quelque chose d'assez dans son jus, j'ai pas d'autre mot. Et après, les choses se sont faites. Après, on a commencé à avancer, à se projeter et l'équipe d'archi est arrivée. Et là, du coup, on a eu plusieurs projets. Plusieurs projets nous ont été proposés et ça, c'est assez sympa finalement à voir. Et on choisit un projet et ça prend vie. On a le suivi des travaux, on reçoit les mails avec l'avancée des travaux et donc ça devient concret. Moi, je ne suis pas allée sur le chantier pour voir, mais j'aurais peut-être pu. Et après, une fois qu'on a tout choisi, le jour où on ouvre la porte et qu'on voit ce qu'ils en ont fait, il se passe quelque chose. Enfin, moi, j'avais vraiment envie d'y habiter. C'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, dans cet appartement, j'aurais pu y habiter. Et bon, du coup, je l'ai quand même mis en location, mais ils ont fait une belle pépite d'un endroit où on ne se serait pas projeté encore quelques semaines avant. Et du coup, ça, c'était vraiment beau et avec toujours une bonne communication et tout était respecté sur les couleurs, les tendances, les choses comme ça, avec une équipe très compétente et avec des idées qu'en tant que particulier, on n'aurait pas eu du tout, quoi. Oui, sur la partie locative, donc du coup qui peut stresser et qui me stressait initialement, la peur de ne pas trouver des gens bien pour louer. Et en fait, on nous a proposé plusieurs dossiers. Donc on ne nous a pas imposé ou dit quoi que ce soit, on nous a proposé des dossiers et on a choisi ensemble les meilleurs candidats, entre guillemets. Et on a pu avoir une locataire qui est maintenant toujours la même depuis 4 ans. Et du coup, c'est top, avec une communication toujours parfaite. Et quand il y a le moindre petit souci, je sais que derrière, ça va gérer grâce à l'équipe qu'il y a derrière. S'il y a un problème de machine à laver ou je sais pas, ou de fuite d'eau ou quoi que ce soit, ce qui n'a pas été le cas, mais qui peut arriver. En tout cas, c'est géré. J'ai pas besoin de prendre ce temps pour faire ça et je peux m'occuper pleinement encore une fois de mes patients et j'ai besoin de ça. Et quand on est patient, on a besoin que son médecin soit complètement à lui et pas avec un problème de machine à laver ou de fuite d'eau. Donc voilà. Moi, ça m'a donné qu'une envie en fait, c'est de continuer. Du coup, c'est comme sauter du plongeoir. Une fois qu'on a fait, une fois qu'on a vu que ça s'était bien passé, il faut refaire et il faut refaire vite et bien. Et vraiment, moi, j'en ai énormément parlé autour de moi, sans faire de la pub ou autre. C'est parce que quand ça marche et quand les choses sont bien, on a envie d'en faire profiter les gens. Et ben exactement, c'était exactement ça. Du coup, tous mes collègues médecins avec qui je suis, ceux qui sont dans le public, ceux qui sont dans le privé maintenant avec moi, on en a tous entendu parler et certains ont même déjà sauté le pas pour pouvoir investir chez Investissement Locatif. Et j'invite vraiment les gens à le faire parce que c'est facile. Et c'est quelque chose qu'on fait pour soi et pour notre patrimoine. Donc il n'y a aucun intérêt à hésiter.